est à Tokyo et qui s'est battu vraiment pour que vous soyez vous aussi fiers d'eux. Kozanich et Gabby Williams. Essayer de trouver un micro, est-ce qu'il est vrai? Ouais, il est là, Pierre. On va commencer avec les filles, Sandrine, s'il te plaît. Oui, je suis là. Viens, tu peux enlever le masque, tu as le droit, si tu le veux. Viens. Entre le Japon, et là on se ressaisit, comme on l'a dit, on l'a redit, on a fait appel à un supplément d'âme pour pouvoir justement aller chercher cette médaille de bronze. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est somptueuse. Nico, c'est quoi ce que tu fais sur les Slovènes dans la dernière seconde? Raconte-moi. C'est un geste de folie, c'est un geste extraordinaire. Bah, c'était une action qui devait être faite, c'est tout. Quand Doncic avait le ballon et Rudy défendait dessus, je pense que tout le monde dans le monde entier pensait que Doncic allait tirer. Et c'est vrai qu'il passe la balle, voilà, Prepelic drive, il est tout seul au panier, l'action devait être faite, enfin, pas le choix, parce que sinon ils allaient en finale eux, donc j'ai eu le bon timing, j'ai fait, on est passé en finale, et tant mieux. C'est le geste parfait. Il y a pas mal aussi de joueurs, c'est leur première expérience avec l'équipe de France, première compétition, et quelques anciens, voilà, le mélange de deux générations, avec le travail du staff, ça s'est très très bien passé, on a vraiment le même but commun, de ramener une médaille, d'aller en finale. Bon, on a échoué très peu de la mission qu'on voulait faire, mais voilà, on va prendre une belle médaille d'argent à la France et c'est que le début. Bravo Nico. Je voudrais qu'on entende Nando Docolo. On a eu une certaine expérience. Malheureusement, c'était pas les meilleures expériences qu'on peut avoir, donc on a essayé de repenser à tout ce qu'on a pu faire par le passé et d'avoir des objectifs beaucoup plus élevés et beaucoup plus de sérieux surtout. C'est ce qu'on a su faire parce qu'au-delà du résultat, il y a eu beaucoup d'obligations de la part des joueurs, du staff en général pour rester concentré et voilà, cette médaille, elle est juste géniale. Elle est géniale, elle est parfaite. Bravo Nando, félicitations. Quand tu vois ça, ça vaut tous les sacrifices, non? Non, c'est sûr, surtout ça donne envie d'être en 2024 déjà, parce qu'on sait que le soutien sera présent. Merci à tous d'être venus, merci vraiment. Bonheur, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a le plus fait kiffer? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, de ces jeux? Ce qui m'a le plus marqué, je t'aime aussi. Ce qui m'a le plus marqué, bah, c'est le compte de Nico en demi-finale. En plus, j'étais sur le banc, je lui saute dessus, je lui fais un câlin, je lui fais un bisou, je lui ai tout fait, donc... C'est énorme. T'as une belle joie. Ouais, c'est ma plus belle compétition avec l'équipe de France, sans aucun doute, bien sûr. Merci, Evan. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on accueille les deux entraîneurs. Je voudrais que Valérie Garnier et puis Vincent Collet. Je voudrais qu'ils viennent me rejoindre. Bon, je pense qu'elles ont aussi envie d'un peu de se reposer. Oui, elles vont prendre des vacances. On est ensemble depuis le 17 mai. Et je sais. Et après, elles vont vite repartir, j'en fais confiance. Merci beaucoup. Valérie Garnier qui est avec nous. Vrai bonheur, effectivement. Merci Valérie. Vincent, qu'est-ce qu'il est beau ce groupe. Toi, tu l'as depuis un petit moment. Et là, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une énorme fierté à être sur le banc avec eux. Tout à fait. Mais c'est le groupe le plus sérieux. Je crois que Nando l'a dit juste avant moi. On s'est servi de la médaille. Et puis comme l'a dit Nicolas, ça laisse aussi des perspectives
qui sont riches et on a hâte de pouvoir les découvrir avec en plus le public qui serait derrière et qui pourrait peut-être nous faire passer de l'argent à l'or. Ça fait jouer à 100%, c'était déjà une petite victoire et on sait qu'on s'est approché et on sait aussi qu'on peut s'approcher encore plus, voire mieux. Voire mieux. Merci Vincent, merci beaucoup. Jean-Pierre, président d'une fédération qui marque effectivement les esprits, c'est bonheur, c'est un énorme bonheur aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Ça peut lui dire quelque chose. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? C'est quoi ton nom? Jojo, on a un cadeau pour toi, Jojo. Jojo, si tu peux monter, s'il te plaît. Non, je suis sérieux, Jojo, viens. Il est là, juste là, il est juste là. Et attention les garçons, parce que si... Joyeux anniversaire, Jojo. Joyeux anniversaire. Il a honoré, effectivement, Jojo. Il a honoré. Alors c'est l'heure, ils sont chauds bouillants. Il reste un tout petit peu de gaz dans le...